pêches à la truite. Ça va être le fun. J'en ai manqué une. Ça n'a pas été long, premier cast. Et là, elle vient de survirer de bord. Je sais pas si on l'a vu sa caméra. Mais avec mes lunettes polarisées, je viens d'en voir une. Suivre mon verre jusqu'au bord. Oh, mais ça s'annonce bien. Premier lancé. Revient avec une attaque. On est quand même dans une période de canicule, période chaude en ce moment. Les truites sont souvent stationnées au fond. Et ce que j'aime bien faire, j'ai une cuillère et quand même, ben, elle n'est pas pesante. Puis je la laisse caler au fond. Je lance, je donne un peu de lousse, puis je laisse caler ça. Puis souvent, ça arrive que j'ai des attaques quand que tout, quand tout arrive au fond. C'est pas gros. Je peux rien, je fais rien avec ma canne, avec ma puise. Bon. OK. Belle petite truite. Belle truite. La première de la soirée, on va la remettre à l'eau. Salut! Première truite capturée. On va aller en chercher d'autres. Non, c'est pas très, très compliqué comment que je le pêche la truite. J'ai une cuillère bicolore, or et argent. Elle a quand même un certain poids, contrairement à. Elle est quand même un petit peu plus pesante que d'autres cuillères qu'on peut trouver, qu'on peut avoir. Puis j'ai un bas de ligne de, je te dirais, je vous dirais 24 pouces avec un hameçon et un verre au bout. Puis je lance ça, ça creuse assez vite ici. Donc je lance, je laisse caler jusqu'au fond et je ramène tranquillement. Puis pour l'instant, mes attaques, je les ai toutes comme ça. Ça vient de sauter à ma droite. Fish on. Il était directement en dessous de la bûche, en avant de nous. Et c'est pas gros. Je l'ai vu monter. Ah, il est décroché. Bon, on va démêler ça. Une autre petite truite, encore plus petite que l'autre. On va la remettre à l'eau aussi. Et rendu OK là. En forme. En pleine forme. Ouais. Deuxième truite de la soirée. Ah! Je l'ai piqué pour. Une demi-seconde, je l'ai vu monter dessus. Il chante. Yeah, t'as ici. On l'a eu. Moi, il y a un petit bout que ça monte depuis. Là. On l'a eu. Belle petite truite encore. Une autre mise à l'eau. Tiens. Elle est partie. Troisième truite. Troisième petite truite de la soirée. Ça va bien, c'est relax. C'est vraiment tranquille, il n'y a aucun vent. Aucun vent. On entend les grenouilles, les oiseaux.
très relaxant. Je vais en manquer une autre. Allez, viens. Elle est partie. Elle est pas loin. Elle est pas loin du bord. On va retourner la chercher. Et voilà, on l'a. C'est très petit. Très, très petit. La plus petite de la journée, ça c'est sûr. Une quatrième truite avec une petite remise à l'eau spéciale sous-marine. Je vois un arbre mort où c'est que ça l'a environ mordu. Fait que d'après moi, c'est une petite terrain de chasse ici. Là, il y a beaucoup de débris au fond de l'eau. C'est Sean. Oh, une attaque franche juste au bord. Je pense que c'est une des plus belles de la journée. Des très jolies couleurs. Et je gâte pas mal, là. Mais c'est une belle. Une belle. Ouais, oui. C'est Sean. Oh là! Une autre pas si pire, ça. Oh oui! Sixième truite, on fait une petite remise à l'eau. Ouais. Simple. Non? C'est bon, il est parti. Et voilà. Ah, j'allais manquer. On a une. Ce n'est pas gros. Ok. Ce n'est pas gros. Il est tout petit. Petite remise à l'eau. Rapide. Elle est partie. Bon, fait que ça, c'était la septième. On va essayer d'en prendre une petite dernière, une huitième, avant qu'il fasse trop noir. Après ça, ça va être tout pour aujourd'hui. Et juste là au bord. Ils sont pas grosses.
Non. J'étais sûr que je l'avais. J'étais sûr qu'on venait de piquer ma huitième. Fish on. Oh, ça a l'air un petit peu mieux, ça. Ouais. Une des plus belles de la soirée. Oh oui, c'est la plus belle de la soirée, c'est sûr. Oh oui. Très joli. Avec des belles couleurs, là. C'est facilement une belle 10 pouces, ça. Je pense que ça va revenir à la maison. Donc, avec cette belle truite, avec de très belles couleurs, 11 pouces, la belle de la soirée. Rien de mieux pour terminer une belle petite soirée de pêche à l'ombre de la fontaine. Très cool.